Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai pris une petite décision. Oui, de temps en temps, ça m'arrive. J'en ai marre de monter et descendre. Enfin, monter et descendre. Je monte pas tellement pour bricoler, mais bon, j'en avais marre de devoir aller en haut pour aller faire mon scrap, en bas pour faire mon coloriage, etc. Donc, je me suis fait un petit coin scrap en bas. Voilà. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, comme quoi j'allais m'installer un petit peu en bas. Bon, je n'ai pas tout descendu. Je ne pourrais pas. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ferai pas attention. Bon, je vais vous montrer, mais bon, ferai pas attention parce que j'ai mon linge qui sèche juste à côté. C'est l'hiver, hein, donc on fait avec les moyens du bord en ce moment. Donc, je vais vous montrer. Allez, je vous retourne la caméra pour que je vous montre ce que j'ai fait. Alors, comme d'habitude, vous avez Fifi qui est là. Oui, tu veux dire bonjour? Alors, je vais être entourée de mes petits oiseaux, voilà, de mes plantes. Alors, je n'ai plus beaucoup de plantes. J'en ai beaucoup qui ont mouru. Voilà, oui, je suis là, je parle de toi, voilà. Oui, j'ai beaucoup de plantes qui ont dépéri, et du coup, ben voilà, c'est pour ça que du coup j'ai pu récupérer une partie de la première pièce. Oui, alors Fifi n'est pas contente que j'ai pris la table pour le bricolage. Alors voilà, du coup j'ai pris ma table ici qui ne servait à rien, qui ne servait que pour mettre mes plantes. Oui, voilà. On va scraper Fifi. Et donc voilà, je me suis installée ici au milieu de mes oiseaux, là, là et là. Voilà, bon, il me reste à mettre une chaise, mais ça c'est pas grave, elle est là. La nuit on bloque la porte, enfin la porte n'est pas, il n'y a pas de problème avec la porte, mais je rajoute une chaise à la porte, voilà, par sécurité en plus. Donc voilà ce que j'ai descendu. Ma Big Shot, bien sûr. J'ai descendu quelques petites choses. Là, mes poudres embossées. Bon, là, il y a des tags, des petites fioles. Bon, j'ai pu. Il faut que je me refais un peu de. Voilà, j'ai quelques rubans. Comme je vous ai dit, je n'ai pas tout descendu. Là, mes stickers, mes perles. Pour les cartes. Oui. Alors, oui, attends. Il y a mon bébé. Hop. Ici, j'ai surtout mis mes principaux dies pour l'instant. Parce que du coup, mes dies, vous savez, ils sont sur tableau en haut. Voilà. Alors, il faudra que je trouve une autre solution. Quelques cartes. Là, c'est l'album des toutous que je suis en train de faire. Oui, Fifi, tu es là, mais tu es là. Regarde, en gros plan. On te voit en gros plan. Mon petit meuble tiroir. Ça y est. Ah. Hop. Excusez-moi. Mon petit meuble tiroir. Donc, j'ai remis quelques stylos, mes stylos colle. Mes rubans adhésifs, quelques petits outils que j'aurais besoin, mes cardstock, ma planche à tampons, et là, donc mes tampons. Là, donc j'en ai plus beaucoup, hein, de tampons, j'en ai vendu beaucoup. Donc je devais faire un classement avec des enveloppes, je n'ai toujours pas fait, mais bon, je le ferai.
Ça, c'est une copine qui me l'avait fait et envoyé, offert. C'est pour l'embossage. Et là, c'est mes encres principales. Donc, Colorbox, ma Stazone et ma Memento. Fifi, s'il te plaît. Et aujourd'hui, j'ai reçu une enveloppe. Alors, j'aime bien parce que c'était marqué surprise. Je ne dirai pas qui je suis. Je te laisse la surprise. Bon, d'accord. Et dans cette enveloppe, voilà ce qu'il y avait. Donc, c'est deux dies là. Enfin, il y a plusieurs dies là. Fifi, s'il te plaît. Hop, merci. Et j'avais, hop, ce tampon. Voilà, c'est, ça vient d'Action. Et je suis super contente de les avoir parce que justement j'en parlais cette semaine. Je disais je pourrais pas moi aller les chercher cette semaine. Cela et puis cette couture. Parce que bon, bah là en plus je vais rentrer à l'hôpital. Et puis bon, j'ai eu des. Je, en fin de compte, de toute façon, je ne pourrais pas. Puis je crois qu'ils ne les ont pas chez moi. Je les avais pas vus. Et puis bah, j'ai quelqu'un qui me les a envoyés. Alors bon, je ne sais pas qui c'est. Peut-être que j'arriverai à savoir. Je vais faire ma petite enquête. En tout cas, je remercie beaucoup la personne qui me les a envoyés. Voilà. J'ai aussi ici mis ma planche à rainures. Voilà. Et ici, alors ça, vous vous rappelez, c'est la petite pochette avec les crayons de couleur. Voilà. Les Brut Funer 80. Non, Fifi, s'il te plaît. Donc, je m'en suis servi pour mettre les dies qui ne sont pas déballés. Voilà. Et alors, sous la table. J'ai une vieille table à salon, voilà, qui est là. Alors attendez, je vais vous mettre le flash. Voilà. Donc j'ai mis là en bas mes blocs de papier. Alors ça, c'est des feuilles. Et en dessous, ce sont mes blocs 30-30 de chez Action que j'ai. Alors je n'ai descendu que ceux que je ne pourrais me servir en ce moment. J'ai des blocs de comment de Noël, ça je les ai laissés en haut. J'ai ma hot gun pour l'embossage. Les blocs 15-30. Là, les papiers 15 stock et les 15 stock noirs, marron et blanc. Ici, ma planche à découper. Et ici, alors, je vous montre. Voilà. C'est du Storyline. Voilà, j'avais déjà fait une ou deux pages de scrap avec. J'en referai. C'est des pages américaines. J'enlève le flash. Voilà. Il y a déjà la pochette plastique dedans. Et il y a la feuille, mais c'est un peu spécial. Vous voyez, on peut y mettre la date, tout. Et ce sont des feuilles A4. Enfin, c'est un peu plus grand que le A4, je crois. Non, c'est A4. Voilà, regardez. Voyez? Donc, il y a la page et le protecteur de page qui disent, mais bon, c'est la pochette. Donc, il faut que je trouve le classeur pour pouvoir les ranger. Voilà. Et mes règles, mon tapis. Enfin, ça, c'est le tapis à chouchou. Fifi, s'il te plaît, t'es fatigante. Merci. Et là, j'ai dit mon journal. Et là, alors, j'ai descendu quelques-uns. J'en ai pas mal en haut encore. C'est les blocs Mixed Media que j'aime bien me servir quand je fais du cartonnage. Voilà. Et là, c'est les vélums. Donc voilà, bon pour l'instant j'ai ce qu'il me faut pour faire quelques cartes, pour faire mon scrap, voilà.
Ici, c'est ce que je vous parlais, Free Prime. C'est... Elle veut pas, elle n'arrêtera pas. C'est là où je fais développer mes photos. Donc, ce sont les dernières photos que j'ai fait développer, qui je vais scraper. Et ça, c'est le chat dont je vous parlais, que j'ai eu avant quand on habitait dans le Midi, à côté de Cannes. On habitait Cannes et Grasse. Et donc, ça, c'est Betsy, qui nous faisait des frousses pas possibles quand on habitait au cinquième étage. On croyait qu'elle nous faisait du suicide. Ça, c'est mes enfants. Voilà. C'est mes trois enfants. Ma fille au milieu, le plus mince, c'est mon plus grand. Et le deuxième, et celui qui est à droite, non, à gauche, c'est mon celui du milieu. Voilà, c'est le deuxième. Voilà, donc il y a toutes les photos de mes animaux. Ça, c'était un berger allemand qu'on avait avant. Donc, c'est la photo bébé. Donc, c'est toutes les photos que je vais scraper. Et donc, je vous disais, là, je vais vous mettre les liens pour pouvoir télécharger l'application et je vais vous mettre mon code de parrainage. Comme ça, vous pourrez avoir des photos gratuites. C'est vraiment, on a très, très, très souvent des photos gratuites. Là, moi, je viens d'en avoir 45 et je peux encore en avoir là maintenant 45 que je vais encore en refaire développer. Je n'ai payé que 4 euros de frais de port. C'est tout. C'est tout ce que ça m'a coûté. Là, il y a 45 photos dedans et je n'ai payé que du coup 4 euros. Donc, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Voilà. Donc voilà. Donc mon petit coin pour le moment. Bon, ça me suffit. Si j'ai bien quelque chose, j'irai le chercher en haut. Mais là, j'ai ce qu'il me faut pour le moment. Et j'ai pour faire mes pages de scrap et j'ai pour faire mes cartes. Donc c'est très bien. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo parce qu'on me l'avait demandé. Sur mon coin coloriage, donc ça, je vous ferai ça dans la semaine également. Voilà, et puis voilà. Tu veux dire quelque chose, Fifille, pour finir la vidéo? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire, Fifille? Et tu veux dire, tu parles plus? Tu veux plus parler? Non? C'est ma mémère, ça. C'est ma grosse mémère. Oui, c'est ma mémère. Alors, voilà. Bon, ben, si jamais vous avez quand même des questions sur ce que je viens de vous montrer, ben, n'hésitez pas, hein, ça, on ne sait jamais. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Voilà, je vous dis au revoir avec mes petits oiseaux. À bientôt, bisous, bisous.